Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Top Sorties à la maison comme tous les vendredis. Vous avez tous eu une appétence pour les séries depuis quelques mois puisque nous passons beaucoup de temps à la maison. Et bien partons à la découverte ce soir d'une web-série 100% nordiste, les chroniques de Klevensburg. À mes côtés en plateau pour en parler, la réalisatrice Émilie Tomasi. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et à nos côtés aussi le président de l'association Axio qui finance la web-série en question, elle est basée à Vingles, Frédéric Vaucher. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Marie, merci de nous accueillir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors, les chroniques de Klevensburg, un western qui se déroule dans les années 20. Immersion, tout de suite. Et la série raconte l'histoire d'un soldat de la guerre 14-18 qui fait un bond dans le futur. Eh bien, je vous propose tout de suite un extrait de la bande-annonce. Allez, maniez-vous ! On est vraiment immergé dans l'ambiance tout de suite. Émilie, pourquoi un western dans notre région ? Alors, pourquoi ? Parce que quand je me suis replongée dans l'histoire, en fait, avec la reconstruction du pays, beaucoup de baraquements, l'effort de reconstruction avec le charbon, l'immigration qui est au cœur aussi de l'entre-deux-guerres, ça m'a tout de suite fait penser à un western, en fait. Et ça, c'est vraiment... C'est comme ça qu'il fallait qu'on le fasse. Et l'intrigue, du coup, j'évoquais juste un peu avant en introduction, comment on peut la résumer en quelques mots ? Oh, l'intrigue ! Alors, le soldat se fait ensevelir vivant, il en réchappe, il tombe dans une sape, et au bout de cette sape, il en sort dans un tunnel. Des créatures étranges, il se passe quelque chose de fantastique à l'intérieur et il fait un bond de 10 ans dans le futur. Il se retrouve en 1925. Donc il est un peu amnésique à ce moment-là, il s'est passé quelque chose et il va se retrouver au cœur d'un Klevensburg qu'il ne connaît pas et en pleine chasse au butin, en fait, entre les clans d'immigrés du coin, donc les macaronis, les melons, les polacs, les flahuts. Et ça va nous emmener dans une histoire assez dingue, quoi. Alors avant de revenir sur les acteurs, tout ce qui entoure la web-série, Frédéric, tout se passe chez nous, je le disais en introduction, 100% nordiste, le tournage c'est chez nous ? C'est du 100% Hauts-de-France, donc c'est vraiment élargi et c'est toute la région qui est emmenée avec cette série. On a eu la chance de tourner dans le Nord-Pas-de-Calais et dans la Somme, puisqu'on a différentes communes comme sur Souchet, à Blassin-Nazaire, donc Notre-Dame-de-Lorette pour les tranchées, des tranchées qu'on a fait il y a déjà quelques années pour les besoins. C'est du pain béni pour vous. Exactement. On est sur Ferfailly bientôt pour l'épisode 2 et 3. On a tourné dans la Somme avec Lusiévaux. On a eu la chance de tourner à Roubaix dans les studios du lycée Jean Rostand, qui nous a super bien accueillis. On est vraiment partenaire avec eux maintenant. Et bientôt, la Chambre de commerce et de l'industrie de Lille. Le Béthunois aussi. Alors effectivement, Ferfailly à quelques kilomètres de Béthune, où là, Clément, qui est agriculteur, nous accueille dans une prairie. Ça va super bien se passer. On a un gros projet, 20 mètres de rue complète, avec du décor réel. Et ça, c'est juste énorme. Vous êtes le président de l'association Axio, basée à Vingles. Vous intervenez à quel moment dans la construction de cette web-série ? C'est surtout sur le financement ? Alors, pas que. C'est-à-dire qu'en fait, Axio date de 2007. Et donc, elle est née à Vingles. Et c'est une ville qui nous a toujours accueillis et soutenus. Et je remercie d'ailleurs les élus pour justement cette aide au quotidien. On a donc développé... des pièces de théâtre, ensuite des sons et lumières, puis des spectacles immersifs. Et c'est assez naturellement, finalement, qu'on s'est dit comment on pouvait faire connaître le projet, les projets qu'on avait le plus grandement possible. Et on a pensé, avec l'équipe, à la web-série, qui nous donne une visibilité mondiale.
Voilà, et donc rien que ça, c'était génial. On va en parler justement avec pas mal de prix partout dans le monde, Émilie. Ouais. La web-série, c'est un format qui fonctionne bien, c'est sur Internet, hein, tout ouais, simplement. Ouais, sur notre chaîne YouTube, en fait, on s'est dit, allez, comme on nous connaît très, comment dire, un petit peu dans le bassin minier, etc., mais pas plus, on a franchi le cap, et puis en plus, comment dire, la diffusion du pilote qu'on a voulu tourner, qui se veut assez long pour placer l'univers, etc., et oui, une quarantaine de minutes. Voilà, il est né avec la Covid, en fait, puisqu'en fait on a fait une diffusion sur YouTube le 8 mai dernier, et après on a enchaîné avec des festivals à l'international et en France, et c'est là où ça a décollé. On s'est rendu compte un peu qu'il y avait matière à continuer, il y avait un signal fort envoyé par les professionnels à l'étranger, et puis du coup on est parti à Londres, à New York, Los Angeles, en Italie, au Venezuela, là on a eu un prix aujourd'hui, vraiment à Tokyo, enfin vraiment c'est assez incroyable. Vous ne vous attendiez pas à ça, j'imagine. Ouais. On nous a conseillé d'aller voir un peu à l'extérieur ce qui s'y passait, parce que voilà, il y a des ouvertures. Et puis on s'est dit ok, on va tenter, parce que c'était un peu poker quand même. On mettait tout sur la table pour le pilote. Il y a des personnes qui y croyaient, d'autres un peu moins. Et puis là, le fait qu'on ait autant de récompenses, qu'on soit suivi de plus en plus par les professionnels à l'étranger et en France, ça nous donne, on a envie de dire au bassin minier, bon voilà, on a préparé le terrain, maintenant on nous attend sur cette série. Il y a moyen de faire quelque chose ici. On peut faire du fantastique et de l'historique dans la région et raconter notre histoire, mais autrement. Alors justement, Frédéric, quelle suite de cette web-série ? Donc il y a le pilote. On en est où là aujourd'hui ? Alors le pilote, 40 minutes a été fait. Il est diffusé depuis le 8 mai de l'année dernière. Il marche pas mal. Il demande encore à être encore plus connu, et c'est pour ça qu'on a fait le parcours en festival. La suite, c'est l'épisode 2, l'épisode 3 pour cette année. Les tournages arrivent de façon imminente. On a prévu, pas plus tard que la semaine prochaine, de commencer un nouveau tournage. On croise les doigts, évidemment, en fonction des circonstances et conditions sanitaires. Et puis ensuite, il y aura au mois de juillet d'autres tournages, toujours pour l'épisode 2 et 3. Alors, quelle logistique, le casting, les acteurs, l'équipe, la logistique, comment ça va se passer cette année, Émilie ? Alors, toujours sous protocole sanitaire, forcément. Donc, on est logé à la même enseigne, hein, avec des tests, etc. On est une bonne cinquantaine dans l'équipe à préparer tout ça. Il y a des comédiens qui viennent des Hauts-de-France, de Belgique, de Paris, Montpellier, Toulouse. Enfin voilà, c'est assez gros. Vous vouliez vous nourrir aussi d'acteurs, de talents de chez nous. Ah oui, important au départ, c'est la base en fait. Ce sont eux qui portent les personnages, etc. Et puis après, évidemment, j'avais des personnages qui arrivaient, etc., où il fallait que je trouve quelqu'un. Et on avait fait un casting, et puis en fait, Paris a débarqué. Ils ont dit banco, nous on suit. Donc voilà comment ça s'est fait. Et là, oui, on enchaîne jusqu'en juillet, en fait, coup par coup, les tournages. En plus, on est tenu par la saison. On est en été dans la série, donc on n'a pas le choix aussi d'avancer là-dessus. Mm-hmm. Et donc, comme disait Frédéric, qu'on croise les doigts pour qu'on ait des reports, alors pas d'annulation, mais des reports. Est-ce que les tournages se font en France oui. En ce moment, ça continue. Vous avez quand même des craintes ? Alors, on est une association de production, ce qui veut dire qu'on n'est pas logé à la même ancienne que les productions qui payent, puisque là, pour l'instant, on est le cinéma, voilà. Ça a peut-être changé dans pas longtemps, mais pour l'instant, on peut pas trop en dire. Hein. Mais pour l'instant, on est encore dans cette situation-là, ce qui fait que on n'est peut-être pas habilité à pouvoir faire venir des gens comme ça le week-end. Tout le monde est bénévole, c'est ça ? Ouais, pour l'instant. Mais tous les professionnels, on vient vraiment parce qu'on y croit, quoi. On y croit et avec des bonnes nouvelles qui nous arrivent du CNC Talent, c'est en cours, qui ont un regard très positif là-dessus, d'une production aussi dans la région, une grosse production avec qui je suis en pourparler actuellement. On va voir, mais pour l'instant on se tient sur le format web-série qui vraiment est un format qui décolle maintenant à l'international et en France. C'est-à-dire qu'il y a un vrai marché là-dessus, mm-hmm. et on s'est retrouvé avec Amazon Prime, par exemple, qui venait faire ses cours sur les festivals où nous sommes. Et donc, il y a vraiment de tout comme série. Et les séries qu'on trouve sur les plateformes se sont retrouvées avec nous dans les catégories. Mm-hmm. Parfois, on passait devant, ce qui nous a un peu surpris. Parfois, on était juste derrière. Mais en fait, on était vraiment dans les catégories de séries que vous pouvez retrouver sur les plateformes. Alors, on le disait, donc, voilà. Des bénévoles, Frédéric,
Quel budget pour fabriquer une web-série comme celle-ci? On l'a vu dans la bande-annonce, au niveau du tournage, dans les tranchées, etc. Il y a pas mal de moyens quand même qui sont mis. C'est vrai, comment ça se passe? Le plus gros budget, c'est le système D. C'est ça, en fait. C'est, oui, ça coûte quelques milliers d'euros de produire un épisode de 40 minutes, évidemment. Maintenant, on a fait un financement participatif il y a 2 ans, qui était à une petite échelle. Cette année, on va enchaîner avec un financement qui est en cours et qui se terminera lundi. Et donc, on aurait justement besoin d'un petit coup de pouce pour permettre... Vous espérez combien, justement? On va chercher 4000 euros. Alors, 4000 euros en soi, c'est un gros budget. C'est pas un gros budget pour une production comme celle-là. Mais en tous les cas, là, on est pas loin. Il manque quelques centaines d'euros pour y aller. Donc, effectivement, ce serait bien qu'on puisse avoir ce petit coup de pouce final qui nous permette de dépasser l'objectif. Et pourquoi pas agrémenter d'autant plus la production avec des décors, avec des costumes, avec des moyens. Voilà, c'est ça ce qu'on va chercher à travers ce financement. On le disait un peu plus tôt, 90 prix donc à l'échelle du monde. Quels sont les ingrédients, Émilie, que vous avez mis du coup dans la réalisation qui sont payants et qui fonctionnent du coup selon vous dans la création, dans tout cela? Alors, influences, ce qu'on me dit souvent, c'est que c'est universel. En fait, c'est fantastique et historique, donc à n'importe quel âge on peut suivre cette série. Ensuite, universel parce que on parle de cultures diverses et variées, on parle de nos ancêtres qui sont arrivés sur cette terre pour la reconstruction, et la guerre aussi, la guerre qui a concerné quand même toutes les nations du monde, en grande partie du moins. Donc en fait, ça, le fait que ce soit sous la forme d'un western avec des clins d'œil cinématographiques, des petites références, des références. Et puis, je pense que les gens ont besoin de rêver, même si on parle de notre histoire, on a besoin de se projeter ailleurs. Et en fait, je croise les doigts, tous les ingrédients y sont. Et on s'évade dans notre région, donc c'est formidable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je le rappelle, donc les chroniques de Glyvensbourg, primées dans tout le pays. Restez avec nous puisque lundi on se retrouvera bien sûr pour votre magazine 100% sport et on parlera water polo du côté de Tourcoing.